Aujourd'hui, on va. On va vivre toute une journée. Non, mais on va vivre. Uniquement avec la nourriture de Dollarama. Le Dollarama, pour les Français, c'est genre comparable à Lidl. Comme tout est. Tout est moins cher. Confirmez dans les commentaires les vrais Français. Dites dans les commentaires s'il y a raison ou pas. Est-ce que tout là-bas est moins cher et tout. Mais ouais, c'est ça. Donc, on va aller à Dollarama. On achète un dîner, des collations, une boisson, c'est ça. On arrive à la maison, on va manger le repas. On va manger la collation, on va boire la boisson. Ok, c'est bon. C'est qu'on achète un repas. On achète un repas. Ce qu'on a fait aussi là. On a rien mangé pour cette vidéo là. J'ai déjà besoin de rien manger pour la vidéo. Donc, Bijou, il est né en 1885. Je m'y aise, il n'était même pas encore conçu. On ne savait même pas qu'il arrivait encore. Avec sa tête qui ressemble à un extraterrestre, extravagant. Il est trop chou, il sourit, oui. Bonjour, et comme moi, ta tête ressemble à un marteau de Thor. Thor. Bijou, il a Thor, j'ai pas à Thor. Bijou, tu vas dire que t'es fort. T'essaies de m'avoir dans mon propre terrain. Je suis né en 1880. 18. Non, donc non. Toute cette époque là, je connaissais ces sons là, Biggie et Tupac, ils étaient toujours là. Bijou, t'essaies de me prendre dans mon terrain. Bijou, il a eu quoi? J'ai bijou, j'ai rien dit. Bijou, arrêtez de parler. Biggie. Chef, sais conduire? Ah, t'as sorti de la route. Yo. Tu comment aux femmes? T'assois. Il y a quelqu'un qui te like. Hein? Sois un abo. Wesh. Wesh. Quoi? C'est des gars TikTok, non? Ouais, on fait des fois des histoires, des fois. Vous en faites un là maintenant? Là, un TikTok? Ouais. Ouais, c'est un TikTok. Wesh, bonjour la caméra. Wesh, bonjour, dis bonjour à mon TikTok. Bonjour TikTok, abonnez-vous à la chaîne. À la chaîne, quoi? La chaîne TikTok. Ouais. The Bijou YouTube, non? YouTube, ouais, YouTube aussi. Ouais, j'ai la ref. T'as la ref? Ouais, j'ai la ref. Yeah, tu vas où? Ok, ouais, tranquille, hein? Vas-y, check. Dynasty. Ça va nous garder pour après aussi. 50% moins de sucre. Et c'est rentable, hein? C'est ça? Il y en a beaucoup. Quoi? On met dans l'eau. Une cuillère égale à une demi-tasse. C'est pas grave, on y va. Au moins, on va tester quelque chose de nouveau. Parce qu'on l'a toujours vu, mais on l'a jamais acheté, hein? Avant ça? Vas-y. T'es sûr que ça va être bon? Ça, c'est pas. Hé, moi, je sais pas, hein? Hé. On va acheter ça pour la collation. On va faire fin Nutella. Ok, vas-y. C'est du Nutella, ça? Noisette! Non, mais c'est pas drôle. C'est pareil, c'est la même chose. Ok, vas-y. On a toujours utilisé là. Là, on va goûter un peu. Quelque chose de différent. Ouais. Vas-y, on continue. On a trouvé quelque chose à manger. Hein. On va pas seulement acheter des collations. C'est ça. Des noix. Ça, c'est bon à moins de fumer. C'est bon, ça? Moi, j'aime bien. En plus, c'est santé. Ouais. Bon, tu fais quoi, frère? Mais si tout. Yo, moi, ça me dérange pas si tout tu décides. Oh, on manque séché. Ok, ouais, ça, c'est bon. Ok, là, on. On a fini la boisson. On a fini avec la boisson et les collations. Non, il manque le pain pour la collation. Ok, ouais, on va prendre le pain, carré. On va acheter ce qu'on va couper. Ouais, attention, Bijou, attention. Moi aussi, des gâteaux. Oh non, non, non. On prend des croissants au Nutella. J'aime bien ça, j'avais goûté ça la dernière fois et j'ai bien aimé. Non, non, on peut laisser. Ah, oh, il est là. Il prend. Non, non, attends. Chef, on a déjà un Nutella, bro. On va, laisser le Nutella. Non, non, yo, c'est mieux de prendre le Nutella comme ça, on a un bon pain qu'on peut prendre avec. Non, parce que le pain, il n'est pas seulement à Dollarama. Au lieu que ça, il est seulement à Dollarama, tu comprends? Pas grave, ok, laisse ça dedans, c'est pas grave, on verra. On dépose. On peut tout prendre alors, on peut tout prendre, laisse, chef. Tranquille. Les gars, on est arrangé des bouffes maintenant. Ah, oh, c'est les nouilles, hein. Attention, il y a des gens derrière toi. Reste ici, on va voir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Ça là, c'est quoi? Crackers. Hell no. Ça goûte quoi? Mais pourquoi tu dis hell no? C'était jamais mangé. Il y a des. Yo! Vas-y, bref. Ensuite, ici. Hell non? No. Non? Si j'ai des biscuits hell ici. No. Biscuits. On rentre dans la bouffe. Ça, hein? Kimchi. Ça va être bon? Kimchi, ça. Kimchi, ramen. Il y en a deux pour un. Ok, vas-y, on prend ça. Ok. Oh, mais eux, ils ont l'air plus bons.
Deux pour une de 50, non, une de 25, et ça c'est une de 20, une de 50 chaque. Ouais, parce que ça a l'air plus bonne. Je vais prendre le bœuf là. Ok, mais prends ouais, les deux pour une de 25, bœuf. Attention. Prends les deux pour une de 25 là aussi. Moi je vais prendre ça. Ok. C'est au quoi, au poulet? Non, bœuf. Prends au poulet. Un au poulet, un au bœuf, ouais, parfait. Et tu veux... Tu peux en prendre un, mais ça va être plus cher, bijou. Deux pour une de 25. Ok, mais prends ça alors, prends ça. Quoi? 3 pour 1 dollar, non. Ah, mais pourquoi ça, j'aime le bol, j'aime mais le bol. Ça, mais prends ça alors. J'aime le bol. Là maintenant, on est rendu ici. Tu sais ce que moi j'avais idée de base? Quoi? Que je fasse des spaghettis. J'en fais des pâtes. Mais si, c'est trop facile. C'est vrai. Alors, il y avait une sauce tomate. Ouais. Viens ici, bijou. Et ça? Hein? Hell non. Et donc les gars, bijou, il va déposer les nouilles. Et puis il va prendre le spaghetti pour pouvoir cook. Ça va préparer sa bouffe. Non, en plus, tu peux ajouter ça. Hé, des sardines. Et du riz aussi. Bon, bref, ok. Bref. Arrivé au bout, bijou, on va faire des briefs pour voir qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on laisse. Parce qu'on va préparer une bouffe, non? Chacun. C'est ça. Et du riz, on a du riz sans saveur au bout. Ah, mais celui-là, celui-là, il est bon beau. Yo. Mets ça dedans, t'as dit, on va faire des briefs. Pourquoi en 90 secondes? Attends, riz frit en plus? Oh, moi, je prends ça. C'est du riz frit en plus, les gars. Toi, si tu prends ça? Bijou, tu gâches la route là, bijou. Quelqu'un veut passer. Oh man. C'est quoi? Carbonara. Tu veux prendre ça? Ok. Donc, on se nourrit vraiment au Dollarama. Ouais, on se nourrit. Les gars, on va vraiment faire des vrais plats là. Si je fais ça, ça va être bon avec le parmesan. Ok. Ça, les gars, ça c'est. Nous, ne regardez pas ça. Ça des boss. Mais ça a l'air bon, bijou. Steak au poivre et pommes de terre. Prends-le, chef. Prends-le. En plus. Fun fact, j'avais vu une émission où j'avais servi ça dans une cafétéria et c'était des humains à l'intérieur. Répète. C'était un humain à l'intérieur. Répète-moi l'histoire, j'ai pas bien compris. Comme, j'ai vu un film, comme tu vois quand je regardais des films sur TikTok, comme des extraits de films, là maintenant, ils ont mangé genre à peu près la même chose, genre une soupe, quelque chose comme ça, au bœuf. Et là maintenant, quelqu'un a vu un œil d'humain à l'intérieur. Et c'était séparé dans plein de contenants comme ça. Oui. Moi, j'ai peur. Tout ce qu'on prend, on va le mettre au bon. Jus, on le prend. Mets-le au bon. Ça, pas sûr. À voir. Dépose. Ça a déposé. Parce que je prends le riz frit finalement, les gars. On va déposer les nouilles ici. On va se partager le truc. Hein. Ok. On a ça. Ça, c'est abusé. Mais je sais pas, attends. Carbonara au bacon. Ok. Vas-y, mets-le là-bas, c'est à toi. Comme ça. Vas-y. En 8 minutes aussi, c'est pas bon. Oh non. Ok. Refrain. Ça sert à moi, c'est mon refrain. Ça c'est là. Sûr, parce que je vais mettre ça avec mes carbonara. Ça c'est sûr. Non. Il nous manque des collations. Ça et ça. Avant on prend collations. Ça, on prend les deux ou pas? Non, et... on dépose ça. Ça va trop faire parce qu'on a déjà ça aussi comme collation et ça. On dépose? Ouais. Ok, vas-y, dépose ça. On prend un petit biscuit ici à manger. Des petits snacks comme ça là, à prendre chacun. On va prendre Kinder Bueno. Kinder Bueno. Non, j'en prends trop ces temps-ci. Moi j'ai envie de prendre un soir aussi. C'est juste qu'on n'a jamais pris. Ok, ouais, c'est ça. Please. Ça, on n'a jamais pris. Moi j'en ai déjà pris. Ça coûte trop le cacahuète, j'aime pas. Mais j'aime, mais genre. Prendre ça. Tu prends ça? Ok, moi je prends les Hershey's alors. Non, je prends des couches. J'en ai trop parlé, mais j'ai jamais mangé. Tu sais, c'est suisse, hein. On a pris ça à l'école. Mais bon, les gars. Là, on passe à la caisse. Juste ça, on va rentrer à la maison. Bon les gars, on est de retour à la maison. Moi je propose qu'on commence avec ça, les gars. Regardez. Mais bon, ça se fait bien. Oh, je suis bien. Pour 3 et demi cuillères à soupe. Cuillères à soupe, c'est 2 bouteilles d'eau. 2, 3 et demi. Ok. C'est bon? Pour 3 bouteilles d'eau. Juste ça pour 3 bouteilles d'eau. J'espère que ça va être bon, hein. J'ai dit 3 bouteilles d'eau, c'est pas trop bon. C'est trop. Vas-y, mets les demi et demi. C'est bon. Yeah. Validé. Qu'est-ce que tu as le goûter là pour voir si ça goûte vraiment bon ou pas. Notre jus. On va goûter un peu d'eau. Chef, c'est bon. C'est un peu trop pâle, hein. On y va. Mmh.
C'est de l'eau. Vas-y, ajoute encore un petit peu. Encore un petit peu. On goûte plus le Nesty, les gars, c'est parfait. Là, il y a trop d'eau. Il y a plus d'eau que de Nesty à l'intérieur. Abuse pas. C'est bon. C'est bon, c'est parfait. Après, on va parler. Laisse-moi le shake. Non. Je sais pas comment t'as shake tout à l'heure. C'est ça, Jake? Voilà. Un peu. Quoi? Quoi seulement? Tu sais qu'on veut juste goûter. Prise 2, les gars. C'est comme ça à côté du GST, là, pour de vrai. Ah, juste un peu. Ça que c'est dit? Un peu. C'est glacé là. C'est parfait. C'est bon! Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Après, vas-y, encore un peu. Encore un peu. Ça va jamais arrêter. Un peu, juste un peu. Et là, t'abuses de. Ton un peu, là, t'abuses. Mais bon, c'est pas grave. Les gars, prise 3. Ouais, c'est bon. 3 bouteilles d'eau là, c'est trop. 2 bouteilles d'eau, c'est parfait. 3 cuillères et 2 bouteilles, on va dire ça comme ça. 3 cuillères et 2 bouteilles. On commence avec la collation, là on fait la bouffe et après on fait la deuxième collation. Ok. Quoi ça? C'est toi qui as dit que c'était bon, hein? On coupe en deux. Ok, vas-y. La mangue, c'est un de mes fruits préférés. J'espère que je vais aimer la mangue séchée. J'espère. C'est pas possible. J'y prends un gros. Oh, il y a du sucre. C'est pas la moitié ça, frère. C'est pas bon tout ça. Okay. Ça prend l'autre moitié, hein. Pourquoi ils ont rajouté du sucre? Sucre ajouté, les gars. C'est ça. Regardez. Voilà, la texture là, il y a du sucre autour. Pas bon. Mais bon, il va. C'est ça, normal. Ça, je pourrais faire des limonades avec. Ça va être nice. Ah! J'aime pas le sucre autour. C'est juste qu'à le laver, tu vois. Dégueulasse. C'est pas dégueulasse, mais trop sucré pour rien. Le fruit est déjà sucré, vous mettez encore du sirop de sucre et du sucre. Tu sais que pour 3 pistes, pour 3 morceaux, il y a 27 grammes de sucre. Ils ont rajouté du sucre, je sais pas pourquoi. Bleu. Ça, c'est trop beau. Des mangues séchées, j'en ai déjà mangé, ok, ça. Auparavant. Et c'était pas aussi sucré que ça. Tu donnes combien? Je donne 4 sur 10, les gars. 4 sur 10 pour le. Ah, mais ça passe! Mais c'est trop sucré. 6 sur 10, moi. Non, ouais. Si c'est pas bon, je peux vomir. Tu as tout mangé. Hein? Quoi? Il faut du lait. Ah, mais il y a du lait, non? Tu peux en ajouter? Du lait 1%. Si c'est 1%. C'est 2%, c'est pas 1%. Pas grave, Joe, c'est un petit délai là, ça fait rien. Vas-y. Ah, mais il y a du lait 1% ici. Ah, vas-y. T'es bien, tu peux en prendre, mon frère. Ok. Vas-y. N'hésite pas, mon frère. Ah, je le fais au micro-ondes ou sur la cuisinière? Je vais faire sur la cuisinière. Ça va sur la cuisinière? Ouais. Ça va te casser la tête? Non. Moi, je le fais au micro-ondes, les gars. Donc, moi, mon riz frit, réchauffé à haute intensité pour moins 90 secondes. Seulement? C'est seulement 90 secondes à faire. Mets-moi une assiette, s'il te plaît. Attends, j'en prends ici. Au moins une tasse petite. Ma question. Quoi? Il me faut un mesureur. Chef, attends, ton bain est compliqué, hein? Là, c'est juste, il me faut 250 ml. Je sais pas comment calculer ça. Okay. Allume la lumière, belle. Ah, ça passe? Viens voir. Ça passe. Yeah, man. De l'eau avec du lait et du beurre. Chef, ça a l'air pas bon, ça. Faut attendre que ça bouillisse. Oh, ça va faire genre une béchamel, je comprends. Une quoi? Genre une crème. Oh, ça fait du sens. Ah, mais c'est du fromage. Mais t'en as pas besoin.
Non, c'était pas... obligatoire. Ouais, c'est facultatif. Oui, j'ai jamais aimé le parmesan. Pourquoi t'as acheté alors? Tu me dois 1,25. Je sais pas ça coûtait combien. Tu me dois entre 2$, on va dire. On va goûter. Ça, c'est les pieds de Junior. Les pieds sont bons déjà, de 1. Go, go, go. Juste un peu, juste un peu, juste un peu, chef. C'est bon. Attends, attends, goûte ça. 3, 2, 1. Ouais, nice. On dirait le fromage qu'ils mettent sur des pizzas. Ouais, ils mettent ça des fois. Ah. Tu l'as remarqué. Non. Ça sent bon. Ça sent bien assaisonné. Ça sent bon. Montre l'intérieur, montre l'intérieur. Ça sent bon aussi. Oui ou non? Ça sent bon. Vas-y. J'ai pas vu la suite. C'est plus, chef. Prends une cuillère. Il y a du bacon séché, yuck. Il faut encore attendre que ça boue. Combien de temps? Il faut attendre que ça boue, baisser le feu, il faut laisser 8 minutes, et après il faut laisser 5 minutes. Les gars, je vais commencer le mien là, en attendant qu'il finisse. Oh, je vais m'asseoir, rappelle-moi. Parfait, je t'appelle après. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste renverser le riz dans l'assiette. Chef! J'espère que c'est bon. Ce sont les poulets de maman, ça. Pas si de l'eau. Bon. 3 minutes, 90 secondes. Comment ça, 3 minutes? 1 minute 30, c'est 90 secondes. Ah, oh, ma vie. Chef! On doit revoir tes calculs là. 55 ans. Pourquoi 55 ans? C'est bizarre un peu, hein, c'est louche. C'est un peu dur, non? Goûte le gombo, bro. Quoi? Écoute, le foufou, je sais pas comment expliquer. J'ai mis après. Bon. Une petite bouchée. Je vais prendre une petite bouchée. Et là, après ça, je vais attendre le bijou. C'est là depuis 4 mois. Là. Pas bon, je sais. Ça goûte l'ancien. Non, je sais. J'ai déjà goûté ça. J'ai déjà goûté ça. Mais je sais pas te dire que c'est dégueulasse. Il a raison, ça goûte l'ancien. C'est comme si c'est là depuis des mois. Quoi? Non, je vais le réchauffer encore dans le micro. Ça a besoin de plus de temps. Je vais mettre encore un petit 2 minutes, les gars. On la pile, les gars. Si, il a fait un bon taf, hein. La présentation, je peux donner un 1 sur 10, beau. Voilà. C'est ça, mais une nourriture de prison, beau. Une nourriture de cafétéria, beau. C'est quoi ça? Ouais, cafétéria dans les films, là. Ça, c'est moi, les gars. Vous l'avez vu tout à l'heure. Moi, c'était assez visible. Si je fais caca cette nuit, sinon. Hey, tais-toi. 3, 2, 1. Vas-y, mon frère, vas-y, mon frère. Le cap. Ça passe? Le mec, ça passe. Si. Je peux m'imaginer manger ça. Je vais pas m'expliquer. Comme quand tu le manges. C'est dégueulasse. Dans ta tête, c'est pas bon. Ouais. Bon, on va prendre une vraie bouchée maintenant. Je peux pas m'imaginer manger ça. Si maman avait préparé ça et elle m'aurait dit c'est elle qui a fait, j'aurais mangé. Mais la sauce est bise, hein. Bizarre, mais... C'est toi qui a fait la sauce. En quoi elle est bise? C'est toi qui l'a fait. Laisse-moi goûter ça. Goûte mon riz maintenant. C'est toi qui est bon.
Ou moi. Pas avec les assiettes. De tout droit. Moi, le mien, bon. C'est du riz, mais genre, quand tu le montres, tu te sens pas à l'aise. Tu vois comment je donne combien sur 10? Sur 10, je donne un 5, bon. 5.5. Juste manger, tu vas voir. Est-ce que tu passes dedans? C'est pas mon sable. Ouais, c'est pas mon sable. C'est pas mon sable? Non. Il y a pas d'épices, il y a rien. C'est ça. Ça, c'est quand même bon. C'est du poisson, bro. Ça? Ouais. T'aimes pas? La seule chose qui me dérange, c'est que t'achètes le paquet. Ça dit, il y a du bacon dedans. Ok? Ça n'a jamais parlé de poisson. Donc le fait que ça coûte le poisson, c'est ça qui m'inquiète un peu. Est-ce qu'il y a un poisson incognito à l'intérieur? Ça coûte du poisson, les gars, il a raison, ça coûte du poisson. C'est du poisson. Moi, j'aime pas les surprises, au fait. Vraiment, je suis déçu. En termes de bouffe, j'aime pas les surprises. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas. Non, le mien, les gars, je suis vraiment déçu. J'ai vraiment été déçu. Bijoux, ça passe. Bijoux, ça passe parce que, tu vois, c'est mangeable et tout. Mais le mien, comme dites-vous, c'est un riz juste noir. C'est ça que je donne un 2, beau. Un 3. Dégueulasse. Et j'aime pas comment j'ai fait pour pouvoir prendre à peu près 3 bouchées jusqu'à présent. Même plus, j'en ai pris peut-être 5. Je sais pas comment j'ai fait. Oh, crée une poubelle, s'il te plaît. Bon, il est collé, les gars. Attends, viens, fais-le ici, fais-le ici. Ouais. Montre l'intérieur. Non, pas ça, ça c'est un bon sac. Mais. Ça c'est inquiétant, juste ça c'est inquiétant. Non. Non. On se retrouve pour la deuxième collation. Collation, ensuite dessert. Bon, on se retrouve pour la deuxième collation. Celle-là, elle si est bonne. Si ça, c'est pas bon, bro. C'est bon, c'est bon. Si ça, c'est pas... Non, non, non. De l'argent, bon. Je vais avec moi, bro. On met le reste dans le frigo. Et ensemble. C'est bon, c'est bon. Oh. Allez. C'est ça, quoi ça, ça, bro? Ça sent le vieux. Ça sent le chimique, bro. Attends. Non, non, mais t'inquiète, c'est bon. Laisse-moi la date des plantes, s'il te plaît. Ok, 8 novembre 2024. Bon. Et attends, ils ont dit de le chauffer au micro-ondes. Ah, le chocolat a l'air chimique, bon. T'inquiète, bisous, c'est bon. Désolé de la ramasse sur cette vidéo là, mais yo. Ça a été dégueulasse, bro. Et les pâtes. Ah, ça fait moitié. 50, bro. Ça a goûté le poisson. Il y a même pas de poisson dedans. Ça sent bon. Ça, c'est les pâtes qui donnent dans l'avion là, on dirait. Ok. Mais bref. Mangeons. 3, 2, 1, go. Yo, le chocolat est moisi, bro. Est-ce que c'est chocolat, bro? Non, c'est... Non. En soi, c'est bon. Le chocolat est bon, bisous. Mais c'est quoi ce chocolat, bro? Man. C'est bon. Je donne 7 et demi... Ouais, 7. 7 sur 10. Mais... Ça passe. Man. C'est très sec. Voilà. On la chante. Et le dessert, pour finir cette vidéo en toute beauté. En toute simplicité, on va finir la vidéo en beauté. Parce que pourquoi ils disent en beauté? Parce qu'on va manger des desserts. Ok. Il y a pas poteau aussi gros que ça, chef. Oh, ok, il y a un autre morceau. Mets dans le frigo. Ça peut être pour toi si tu veux. Mais ça, c'est le mien. Ok. Et c'est pas un cheese. Maintenant? Ouais. C'est pas en deux. Ouvre le sang déchiré. En haut, de haut. Pas en haut. Si il y a quoi que ce soit, c'est des petits doigts. Parfait. C'est disrespect? Non? Mais. C'est des petits doigts, c'est un disrespect? Oh, ta bouche sent le dollar à moi, bro. Yo! Oh, putain! Qu'est-ce qu'il a fait le. C'est un petit doigt pour réaliser l'odeur qu'il y avait, c'est comme ça. Non, y a rien. C'est pour ça que ça sent du poisson. Des poêtes, bro. C'est pour ça que ça sent du poisson et la sauce là. Et j'ai comme, oh non, c'est ta bouche, bro. Ça va. Mais crâne, ma chérie. On commence par les Twix. Hershey's. C'est avec les Twix. Ouais. Twix. Ok, non, je pense que je vais aller prendre l'autre, bon. Non.
Patiente. Mon Dieu, c'est bien. Patiente, mon frère. Patiente. Caramel. Chocolat. Et pâte à biscuit. Je sais pas. Pâte à biscuit. Ce qu'il y a à l'intérieur là, c'est trop bon, bro. Non, mais tout. Ça, j'ai jamais aimé ça, je sais pas pourquoi. J'ai jamais aimé les Hershey's. C'est trop sucré, là. C'est pas trop sucré. Toi, je mange des bonbons, des sucres et tout ça. Mais c'est pas sucré. C'est sucré. Bref, le sucre est trop concentré. Il est concentré, bro. Mais les Hershey's sont bons. J'aime pas trop. C'est bon avec du lait à côté. Ouais. Parce que tu vois, le lait, ça va reconcentrer le sucre. C'est ça, c'est ça. Exactement. Endroit. Fex. Fex. On a fini, hein. Mmh. Non. Si je pourrais dire un commentaire de l'armement, arrêtez de faire des nourritures. Non, non. L'armement, attendez. Mais stop. Non, non, les gars. Non. Non. C'est aussi bon. Demandez-les d'enlever le sucre, bon. Trop je comprends sucré. Pas. C'est un fruit sucré, vous mettez du sucre. Nesty, continuez, ça c'est nice. Les boissons, j'aime bien. Et les barres chocolatées. Non. Bichibé. Je sais pas où vous mettez le chocolat. Où vous mettez le chocolat. Mais il est mid. Ça passe, mais il est mid. Donc s'il vous plaît, faites du chocolat frais. Et pour la dernière, les barres chocolatées, continuez. J'aime bien. À moins de 1$, c'est parfait. Les KitKat. Merci de m'avoir écouté. C'est des conseils constructifs. C'est pas pour vous dire. Constructif. De l'argent. J'aimerais vous dire que mon petit frère, il est juste un peu sur le coup, quoi, tu vois, parce qu'il vient, il n'a pas assez bien mangé. Donc, ne prenez pas en compte tout ce qu'il dit. Il est un peu en train de rigoler et c'est son ventre qui parle, en fait. C'est pas sa tête. Ok? Donc, calmez-vous. De deux, il a raison, votre bouffe là, vous. Ah, ah. Oui, la bouffe. C'est quoi ça, vous? Ah. Moi, j'ai du poisson, vous. Si au moins sur le paquet c'était écrit poisson. C'est le poisson de maman en bout. Et maman, regarde ça. Maman, tu fais du bon poisson, mais genre, il veut dire que. Quand ça goûte le poisson, au lieu que c'était censé goûter c'est ça. Du fromage. Si sur le paquet c'était écrit poisson. Mais, attends, regarde le paquet. Imagine derrière c'est écrit poisson. Man. Là, on l'a déjà jeté, on l'a déjà jeté. On l'a déjà jeté, les soirs. Si au moins c'était écrit en gros poisson, on aurait compris. On va le manger. Oh, il y a du poisson et des résidus au poisson dedans et tout. On le mange. Ça coûte le poisson. Et toi, ton riz, vous parlez pas de ça. Oh, mon riz, vous pouvez continuer à faire des nourritures, mais appliquez-vous, s'il vous plaît. C'est ça, s'il vous plaît, de appliquez-vous. Genre, ouais. Faites des nourritures. Est-ce qu'il y en a qui mangent ça vraiment? Ouais, je sais pas. Les pâtes, ça passait. Le riz, il faut mettre de la sauce dessus, assaisonnement. Ouais. Vraiment. Ou bien, les pâtes qu'on achète, on les achète juste pour le cook. Et là, l'assaisonnement, c'est nous-mêmes, la viande et tout ça. Ouais, mec, je sais pas. Mais vraiment, juste appliquez-vous. Pour la première fois qu'on a acheté de la bouffe là-bas, les gars. Yeah. 50% vous, quand même. Ok, 55%. Ouais, non, ça passe. Ça passe. Et puis, dites dans les commentaires si vous voulez une partie 2. On va acheter dans d'autres choses. Dans un autre magasin ou... Non, Dollarama toujours, il y a plein de bouffe, non? Okay. On peut aller prendre d'autres bouffes là-bas. Okay. Pour voir tester d'autres bouffes. Par exemple, ben, les nouilles, ça c'est basique. Si on a pris les nouilles, là, ça aurait été facile à faire. Si on fait une partie 2, on va goûter le bœuf du Dollarama. Ah, ce que j'avais pris là, tout à l'heure? Ouais. Le bœuf patate. Ouais. Patate bœuf. Ou le jambon, ou le M, le H-A-M du Dollarama. H-A-M. C'est dégueu. Ham. Ça, j'ai jamais aimé. Le paquet de conserve qui s'ouvre comme ça, là. Qu'on ouvre comme des sardines, là? Non, mais comme. C'est. Comme on ouvre comme ça? Ouais. Et c'est du jambon. Oh, et c'est genre rose? Ouais. Ah, ouais. Okay. Ça, on va goûter ça, ouais. Ok. Ouais, c'est bon. Juste. Vous voulez me passer de. 200 likes. 200 likes? Ouais, 200 likes. Et bon, on va la faire. Ça, qui va manger ça maintenant, vous. Maman va y aller? Ouais, non, c'est trop sucré. Mais bref. Les abonnés, likez, abonnez-vous. Si ça reste jusqu'à la fin, écrivez dans les commentaires. Spatule.